46 campagnes autour du globe et l'équivalent de 75 tours du monde. C'est la distance parcourue par la Jeanne depuis ses premiers tours d'hélice en 1964. Au fil de presque un demi-siècle de navigation, le porte-hélicoptère R-97 aura ainsi été un bateau à lame voyageuse. À son bord, des générations d'officiers et de marins y auront été formés. Car la Jeanne d'Arc faisait office à la fois de bâtiment de guerre, de bateau-école et de navire ambassadeur. En cessant définitivement de naviguer en mai 2010, c'est un bateau emblématique du patrimoine naval français qui disparaît à tout jamais. Ultimes instants sur un bateau de légende, ultime embarquement sur la Jeanne. L'histoire continue.